Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et ensemble, on va regarder un petit peu tous les objets anti-stress que j'ai pu emmagasiner depuis un certain temps maintenant. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous montrerai ma collection de squishies. J'espère que ça vous plaira. Allez, on commence avec les tout premiers objets. Donc, ce sont des objets aimantés. Je les ai regroupés ensemble parce que je me suis dit que ça irait beaucoup mieux. Donc, premier objet ici, c'est un stylo. Et ce stylo, je l'avais acheté chez Wish. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo que j'avais fait. C'était tout un tas d'objets que j'avais trouvé sur Wish et que j'aimais beaucoup. Donc, en fait, il y a tout un tas de petits aimants à l'intérieur. Regardez, hop là. Et en fait, on peut s'amuser avec ce stylo. C'est très très relaxant. Moi, personnellement, j'adore. Alors, vous voyez, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Bon. Et non seulement ce stylo est très très relaxant, mais en plus de ça, il écrit très très bien. Alors, j'espère que je vous retrouverai la vidéo dans laquelle je l'avais testé. Et si c'est le cas, je vous la mettrai dans le petit i juste en haut de la vidéo, là-haut. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et franchement, je l'adore. Moi, ça me détend de jouer avec des aimants. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut lui donner plein de formes. Allez, on continue. Ici, ça, c'est un objet, c'est moi qui l'ai fabriqué. Pareil, je l'ai fabriqué dans une vidéo où j'essayais de faire un slime magnétique. Donc, pareil, hein, je vous la mettrai dans le petit. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo. Alors ici à l'intérieur de ce petit de cette petite boîte, j'ai mis de la limaille de fer et bien entendu avec un aimant on peut s'amuser à regarder ce que ça fait à l'intérieur. Regardez, on dirait des petites fleurs et je trouve que c'est très très relaxant de regarder ça. Donc l'imaille de fer, je l'avais achetée sur Amazon. Vous voyez, je l'avais prise comme ceci. J'ai déjà fait un slime avec. Bon, voilà. Après, il m'en reste beaucoup. Et les aimants, ben, en fait, c'était des aimants que j'avais avec un slime de récupération. Allez, dernier objet aimanté. Ici, ça va être un sablier que j'avais trouvé dans le magasin Jiffy et j'aime beaucoup parce que pareil en fait il y a de la limaille de fer à l'intérieur et c'est le même principe que ma petite boîte mais sous forme de sablier. Donc bon, voilà. Il faut avoir le temps de le faire mais je trouve que c'est assez relaxant de regarder un petit peu le sablier avec la petite fleur qui se crée. Allez, on continue avec ces objets relaxants. Ici c'est un cube, donc voilà, c'est un truc à manipuler et j'aime bien. Autre objet anti-stress, enfin, que je trouve anti-stress, c'est un tic-tac-toe. Et ben, je l'avais acheté dans un magasin Action. Et c'est vrai qu'avec ma fille, on y joue souvent. Voilà, un petit morpion, comme on dit. Très écologique, puisque finalement, il est réutilisable à l'infini. Autre objet anti-stress ici, c'est un snake puzzle. Pareil, ça vient du magasin Action. Et en fait, on peut s'amuser à faire tout un tas de formes avec ça. Alors moi, j'y arrive jamais. Mais j'avoue que bon, ça passe 5 minutes, hein. Je crois qu'on m'avait demandé de faire un tuto là-dessus. Je vous dirais que là, je suis quand même incapable de vous faire un super tuto parce que moi, en fait, je tourne dans tous les sens. Et c'est comme ça que ça me détend. Allez, on arrive à un autre type d'objet anti-stress. Ici, c'est un casse-tête et j'aime beaucoup celui-ci. Pareil, il vient du magasin Action. Donc, en fait, il suffit, voyez, de déplacer les petites balles à l'intérieur. Il y a une mousse à l'intérieur de cette balle. Et en fait, ensuite, de les remettre au bon endroit. Personnellement, je l'adore. Je ne le trouve pas trop, trop compliqué, justement. Et c'est quelque chose que j'affectionne énormément.
Il est très très agréable celui-ci. Et en plus, il est joli. Je trouve qu'il a un look un petit peu Star Wars. Bref, vous trouvez pas? Allez, maintenant, on va passer au Squishy. Et celui-là, j'avoue que je l'adore. Je l'avais commandé sur Wish. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et alors lui, il me fait trop rire. C'est un bonhomme. Et puis regardez, vous pouvez le faire parler. Alors on peut lui faire faire plein de grimaces. Ah. Alors vous voyez, hein, je l'ai quand même bien bien utilisé, bien bien malaxé parce que je le trouve trop génial. Il me fait rire. J'adore. Je crois que c'est un des plus rigolos que j'ai en Squishy. Allez, en parlant de squishy rigolo, ici j'ai un truc œuf de poule. Enfin, c'est des balles anti-stress, hein, c'est pas des squishy, mais bon. Et ça, j'adore. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien. C'est quand même assez rigolo hein, avec ce stuff là. Allez, on va passer maintenant à ma collection de squishies, de balles anti-stress. Vous allez voir, j'en ai quand même beaucoup. Tintin, regardez ici, c'est le tiroir, le fameux tiroir où il y a tous mes trésors. Allez, je vous les montre d'un peu plus près. On commence avec des balles de slime. Donc pour ceux qui ont la peau sensible et qui ne peuvent pas trop trop toucher de slime, celles-ci, je les trouve trop trop géniales. Par contre, ne les éclatez pas, il n'y a pas de slime à l'intérieur, j'avais déjà testé. Donc ici, je les ai en rose, en violet. Il y a des paillettes à l'intérieur, en vert. Celle-ci est un peu plus petite et plus facile à manipuler. Mais là, on se rapproche plus d'un slime en fait. C'est ça qui est rigolo. Allez, on continue avec d'autres balles anti-stress. Alors attention, surprise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une licorne à l'intérieur. J'adore. Bref, et quand on appuie dessus, eh bien la licorne, elle fait des galipettes. Elle fait des saltos. Allez, on continue. Alors ça ici, c'est tout doux, tout moelleux et hop, pareil. Alors là, la balle anti-stress à l'intérieur, elle est super jolie. Regardez, il y a des espèces de petites, des petites paillettes, des trucs trop trop chouettes. Et ça contraste bien avec le côté peluche. Ça bien sûr, ça vient du magasin Action. Hop là, allez, on continue. Ici, c'est une petite balle anti-stress avec des Orbeez à l'intérieur. Qui aime les Orbeez? Moi, j'adore ça, les Orbeez. C'est chouette, hein? Et celle-ci, pareil. Alors, celle-ci, c'est une autre balle anti-stress avec des petites balles à l'intérieur. Et il y a comme un petit liquide aussi. C'est pas mal du tout. Celle-là, j'aime bien, moi. Ce que j'aime bien faire, c'est essayer de réunir les couleurs ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça me détend. Allez, on continue avec d'autres petites balles anti-stress. Ici, c'est une banane. Pareil, il y a des Orbeez à l'intérieur et j'adore. Ça change un petit peu des balles. Alors ici, c'est une balle avec des petites billes de polystyrène à l'intérieur et comme un genre de slime. Bien sûr, elle a des petits picots, donc ça a un côté un petit peu massant et j'adore. Bien sûr, le but du jeu, c'est de mélanger les billes de polystyrène avec le liquide.
Allez, on continue avec la fraise. Après la banane, la fraise. Pareil, il y a des petits orbis à l'intérieur. Ici, c'est deux espèces de balles. Et là, à l'intérieur, il y a des trucs un petit peu bizarres. Bah, d'ailleurs, je me demande si ça n'a pas un petit peu changé de texture parce que c'était pas tout à fait comme ça, regardez. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais bon. Ouais, le produit qu'il y avait à l'intérieur a bougé dans celle-ci. Voyons voir avec celle-ci. Ah, celle-ci n'a pas bougé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a des genres d'orbis dedans avec des petites billes. Et c'est très, très agréable. Donc, je l'avais en plusieurs couleurs. Allez, on continue avec des anti-stress. Ici, je ne me rappelle plus du nom de cette bestiole, mais c'est très, très anti-stress. Il y a comme une mousse à l'intérieur. Et j'adore malaxer cette bestiole. Je crois que c'est Mrs. Slimy ou un truc comme ça. Bref, voilà. On la malaxe dans tous les sens et bien sûr, elle reprend sa forme initiale. Très, très anti-stress. Allez, on continue ici avec une balle anti-stress au motif vache. Ici, j'ai la même motif cochon. Ah, une collection, c'est une collection, hein. Tchou. Ici, voici une crotte multicolore. Elle a de la mousse à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Et bien sûr, la crotte multicolore, je l'ai aussi en marron. Alors, bien entendu, on a une licorne. Et j'ai même sa petite sœur. Ici, voici le lama qui a eu quelques petites déconvenues, mais il est toujours vivant. Je l'adore, mon petit lama. Mais du coup, je ne le malaxe pas trop puisqu'il est un petit peu percé. Pour terminer, voici un petit piment avec à l'intérieur, je pense que c'est comme du sable en fait. Donc c'est complètement différent des autres. Je sais pas si vous entendrez bien les bruits. Alors lui, il met un certain temps quand même à revenir dans sa forme initiale. Pourquoi? Je ne sais pas. Et bien entendu, ici, nous avons des petits dinosaures avec des orbises à l'intérieur. Et bien voilà en ce qui concerne toute ma collection d'objets anti-stress. Donc voilà, je vous les remets tous ici. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi un petit peu à vous détendre. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. Donc, vous pouvez le faire en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Surtout, restez chez vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Bye bye!